Hello tout le monde, c'est Abel de G, on se retrouve pour un nouvel épisode de Super Mario Maker où je vais créer un niveau. Et oui, il y a une intro cette fois. Et ouais, l'épisode précédent, je l'avais complètement zappé. Et en fin de compte, ce qui se passe, j'ai déjà dû vous l'expliquer sur comment je construis mes vidéos. Mais en fait, je crée le niveau en premier, donc l'accéléré. Et ensuite, je commence à tourner avec mon visage seulement à la fin. C'est-à-dire que la partie que vous allez voir après, c'est la première partie que j'ai tournée. Et cette partie-là, où je vous dis bonjour, salut tout le monde, blablabla, c'est la dernière partie que je tourne. Et la dernière fois, j'ai complètement zappé. J'en suis désolé, mais là, c'est bon, elle est là. Et je parle de trop, donc c'est parti.
voilà, il me semble que le niveau est maintenant terminé. Donc c'est un niveau ascension. Pour ceux qui se rappellent, ou ceux qui sont suivis surtout, Kerbando fait des vidéos sur Super Mario Maker en proposant des thèmes à respecter pour pouvoir sortir une vidéo en fait. Enfin, il faut faire un thème et Kerbando joue sur le thème que vous avez créé. Et son thème, pas le dernier qu'il a fait mais l'autre d'avant, j'ai participé, je lui ai envoyé un niveau avec mon autre compte ML2G, c'était l'ascension de Mario. Et je me suis dit pourquoi pas refaire la même chose. Donc voilà, j'ai fait la même chose. Et c'est parti pour faire le niveau. Donc dans ce niveau, j'ai mis un checkpoint. Épisode 22. Déjà 22 niveaux que j'ai construits. C'est pas mal. Alors, direct, on commence avec une fleur de feu. C'est intéressant, c'est pas mal. Ça, ça dégage, voilà. Premier saut super chiant. Voilà, trampoline. Forcément obligé. Voilà. On attend que la flamme passe. On arrive, on passe là. Et juste ici, on prend ce tuyau là. Arrivé là, donc là il y a clairement la marche à suivre avec les pièces, hein, hop. On fait attention aux boulets bien sûr. Et là on passe, on fait gaffe. Voilà, j'ai dit on fait gaffe mais c'est pas grave, hein. On va monter, là ça tire, voilà, merci. Alors on a une porte, la porte c'est un reset. Vous verrez pourquoi après c'est un reset. Donc là on va prendre une petite plateforme, tranquille. On va se mettre bien au bord. Une fois qu'on est là, hop là, on rentre dans le tuyau. Et ça c'est une partie que j'aime bien. Voilà, c'est une partie assez difficile que j'aime bien. Ok, alors c'est pas grave. On va faire attention. Oh putain. Oh là là. Je crois que c'est l'une des parties les plus dures. En fin de compte, quand je l'ai fait tout à l'heure, c'était super facile. Vraiment, j'insiste sur le fait que c'était super facile. Sauf que là j'ai rajouté des pièces. Donc forcément, en rajoutant des pièces... Ah, peut-être... Attendez, j'ai mis des trampolines ici, mais est-ce que je peux monter là-dessus directement? Ouais. En plus pratique, si vous voulez passer plus facilement. Mais du coup, en ajoutant des pièces, ça ajoute du mouvement à ce qui se passe à l'écran. Et ça... Ça perturbe un petit peu. Clac. Ah, poulet. Pas grave. Ok. Donc ce ne sont que des petits passages comme ça, que des petits... Des petites cases où il faut monter. Alors là par exemple j'ai complètement foiré mon truc. Je pense pas que je puisse monter là parce que ça je l'ai rajouté après. Non je ne peux pas. Alors reset. Voilà et on reprend ça. Tranquille là. Tranquille. Allez. On va y arriver. Voilà super. Et l'autre passage un peu plus dur. Donc là on va pas perdre de temps, on va y aller direct. Wow. Wow, ok. On n'a pas peur. Oh fuck. Voilà, on arrive, on passe là. Voilà, tranquille. Et là, on entre dans ce tuyau. Là, normalement, on peut y aller. Ah, mais... Ah. Voilà, on passe le tuyau, c'était super chiant à passer, et une fois qu'on a passé le tuyau, on arrive ici, et là faut faire attention. Tac, voilà. Alors vas-y. Allez, allez, allez. Ah, on peut le faire, on peut le faire. On va y arriver. Non, parce que là on passe pas. Hein. Allez. Allez. Ok, on l'a eu, tant pis si on est petit. De toute façon, on aura du power-up un petit peu plus loin. Faut juste ne pas toucher les pics maintenant, si on veut passer. Donc là, on essaie de passer sans toucher les pics, et ça devrait aller. Parce que dès qu'on touche les pics avec ce vaisseau, le vaisseau part en freestyle, en fait, si tu veux. Voilà. Allez. Ok, c'est bon, je vais péter ce truc-là. On va se positionner. Ah, zut. Allez, allez. Voilà, super, c'est bon. On se positionne là, on est... Non. Ah, la blague. Ah. Ok. Maintenant qu'on a pris ce tuyau, direct checkpoint. Et là, c'est une autre passage, un autre partie un peu... Enfin, une autre partie un peu délicate. Un peu délicate et j'ai rajouté des power-up à l'infini là. Oh, ça c'est un peu con. Bah, je peux tout revenir dans le tuyau. Heureusement.
Mais voilà, alors là, il y a des parties un peu reloues. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est, hop, se mettre là, attendre que la bille tire. Se mettre ici. Esquiver la bille. Wow, ouais. Ah! Alors c'est un peu... c'est un peu tendax. Ah là là, bon. Viens à moi, champignon. J'irai mieux avec toi, merci. Donc encore une fois, partie relou. Ce que j'aime bien. Allez, oh là 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 là. C'est un truc à n'y rien comprendre en fin de compte, ce passage là, mais c'est ça qui est bon. Ok. Ok, on y arrive. Et le tuyau, voilà. Et arrivé à ce tuyau là, nous avons. Vas-y, tire. Non, tu veux pas? Oh, je voulais pas faire ça. Des fleurs à l'infini, et ça, c'est cool. Et en plus de ça, on va avoir le droit à Bowser. Et Bowser, on peut le poutrer comme ça. En ramassant les boules de feu qui nous crachent. Mais aussi grâce à la fleur de feu comme ça. On peut y aller tranquillement. Mais bon, c'est quand même plus fun de... Oh, là, il va cracher ses flammes. Oh, dégage, s'il te plaît. Viens là, Yoshi. Zut. Allez, tu vas mourir. Viens là, Yoshi. Il va encore cracher ses flammes. Donc, les flammes, on peut les avaler. Hein. Les prendre et... Ah, oh, zut. Yoshi, reviens. Yoshi. Voilà, crash. Oh, mais sans déconner, Yoshi veut pas jouer avec moi. Hein. Est-ce que ce serait une vengeance par rapport au nombre de morts que je lui ai fait subir ou pas? Voilà, Bowser est mort. Donc ça, c'est bon. Dégage, le Goomba. Hop, dégage, merci. Donc là, maintenant, bon, ça, c'est un peu bête que je l'ai craché. J'aurais pu le garder pour que ce soit plus simple. Il faut sauter et se sauter dans le coin, en fait. Hop, et cracher. Comme ça. Oh, trop de Goomba. Boum, ça explose. On va pouvoir passer maintenant. Vas-y, reviens. Reviens. Ah, fuck, Yoshi, tu fais chier, là. Yoshi, voilà. Donc, on prend le P. Très important de prendre le P. Yoshi, viens là. On va le laisser là, voilà. Allez, venez là, les Goombas. Paf. Hop. Nous avons un tuyau ici. Alors, attention. Ce tuyau, c'est pas un troll, mais si vous le prenez, ce tuyau, vous retournez au début du niveau. Donc, ne le prenez pas. On tape le P, on prend la porte. Là, on peut taper ce bloc-là. Ça nous donne une petite vie. Si elle veut bien venir, la vie. Voilà. Mais les deux autres blocs qui viennent de passer, faut pas les taper. Celui-là, on peut parce que c'est une vie aussi. L'autre aussi. Voilà. Mais les autres, faut pas. Parce que ce sont des bouts en cercle et un Kamek. Et là, on arrive au boss de fin. Wow. Qu'est-ce qu'il était dur. Alors, soit vous la jouez hardcore et vous essayez de le vaincre. Ce qui n'est pas compliqué parce qu'il faut juste le taper trois fois. Soit vous y allez en mode à l'arrache et on y va comme ça, avec la hache. Voilà. Donc du coup maintenant pour publier le niveau, il va falloir que je le fasse depuis le drapeau relais, donc depuis le checkpoint. Mais depuis le checkpoint ça devrait aller. Donc on va récupérer ça s'il veut bien, Mario. Hein, on va pas mourir bêtement, n'est-ce pas? Oh putain, il va faire chier. Il va faire chier avec le champignon. Voilà. C'est pas grave, on prend le champi, on se casse. Hop. Hop. Vas-y, viens. Oh ouais. Ah. Ah, voilà, ok. Et on va se refaire le boss. Hein. Encore une fois. Dégage-toi. Allez. Allez. Oh. C'est con qu'on puisse pas lui rebalancer les Goombas directement dans la tronche. Bon, on pourrait limite avec Mario comme ça, hein, mais... Ouh. Vas-y. Dégage. Oh. J'avais dit que c'était plus marrant quand même de lui balancer les boules de feu telles quelles. Mais là, il est chiant parce qu'il balance plein de boules de feu en l'air, là. Et voilà. Ça, c'est chiant. C'est relou. Boum, grosse boule de feu. Clac, grosse boule de feu. Clac, grosse boule de feu. Ah, par contre, j'ai pas testé si les grosses boules de feu faisaient plus mal que les petites boules de feu, quoi. Viens là. Voilà. Ok.
Ok. Ok. Vas-y, crache du feu, toi. Voilà, c'est bien. Voilà. On aime ça. Il est pas mort encore. Il est résistant, hein. Sacré Bowser. Crash. Oh, là, il va balancer plein de flammes. Donc, on va se mettre là. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce qu'il y a eu, mais... Yoshi s'est barré, hein. On avait marre, peut-être. Donc là, on peut essayer de l'enchaîner avec toutes les flammes qu'il nous donne. Ce qui est pas évident. Ah, pas crever, hein. En tout cas, on se fait du score avec les Goombas. Il est toujours pas mort. Vas-y, grosse boule de feu. C'est bon, il est mort. Super. Donc là, évidemment, j'ai plus de grosse boule de feu. Donc on va en chercher une petite. Et oui, si tu veux, Yoshi. Voilà. Clac. Hop, hop là. Oh, j'espère que c'est bon. Ouais, c'est bon. Par contre, le P, il a disparu, là. C'est pas cool. Ok, on va le reprendre. Je tape pas. Voilà, merci. Venez là, les Goombas. Venez là. Venez là. Clac. Ok. La porte. Et on attend sagement une petite vie pour Bibi. Et ici, on le tape pas. Là-haut non plus. Faites ce que vous voulez après quand vous ferez le niveau. Hein. Faites ce que vous voulez. Hein. Ok. Et enfin, la suite, la fin. On va essayer de le vaincre, tiens. Oh, je peux pas l'avaler, ça. Tiens. Tiens. Ouais. Oh, oh, ouais. Viens là, Yoshi. Tiens. Oh là. Oh là là. Allez, s'il te plaît. Tiens, voilà, c'est bon, il est mort. Et clac. Allez, bah tant pis pour Yoshi. Allez, va prendre un bain de lave. On s'en fout, de toute façon. Non, on s'en fout de Yoshi. Complètement. Me regarde pas comme ça, toi. Oui, puisqu'il y a Darboub qui est derrière, là. Hein. On s'en fout aussi. Allez. Voilà. Bon, épisode 22, c'est parfait. On va le publier. Et on va attendre gentiment, patiemment le code pour que vous puissiez faire le niveau chez vous. Sauf si, bien sûr, vous me suivez déjà sur Super Mario Maker. Vous aurez, bien évidemment, en exclusivité les niveaux que je sors. Parce que forcément, pour sortir cette vidéo-là, il faut que je sorte la vidéo avant. Voilà, le code, il est là et vous l'avez aussi dans la description. Parfait. Bon, et eh ben c'est là-dessus qu'on va s'arrêter, les amis. Bon, j'ai quand même un peu galéré sur cette partie-là, mais une fois que j'ai bien rejoué et que j'arrivais bien à le refaire, j'arrivais presque à passer sans me faire toucher, presque. Donc, GG en tout cas aux personnes qui vont réussir à le faire, le niveau. Il n'est pas si dur que ça, il y a vraiment 2-3 passages qui sont super chiants, mais après le reste, ça passe tout seul. Surtout les boss, ils sont vraiment simples. J'avais envie de faire un truc original avec Bowser, donc avec Yoshi. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympa. Et puis voilà, puis à la fin, j'avais pas trop d'idées, donc j'ai mis Bowser Junior en géant avec des ailes. Et puis on peut le rusher hein, comme on l'a fait en première partie, puis en seconde partie avec le checkpoint. Bah, je l'ai battu, donc c'est faisable. Voilà, sur ce, les amis, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée, à la liker aussi si vous l'avez encore plus appréciée, et si vous voulez bien sûr me soutenir, et commenter bien sûr dans les commentaires, parce que les commentaires sont là pour commenter, voilà. Sur ce, je vous laisse, portez-vous bien et à bientôt, bye.